Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. Le diocèse de Grand-Bassam a envoyé 3 de ses prêtres en mission dans le diocèse de Strasbourg en France pour une durée de 3 ans. Affectation qui s'inscrit dans le cadre du partenariat signé par les 2 diocèses au mois de mars dernier. Les pères Daniel Etekoulou, Edgar Kouakou et Sylvain Boko seront officiellement accueillis le 16 octobre prochain à Strasbourg. Et puis au début de la nouvelle année scolaire, le custode frère Francesco Paton a procédé à l'inauguration du 2e étage de l'école Hélène Keller, l'un des instituts des écoles de Terre Sainte. Cette action peut être perçue comme une œuvre de la custodie en faveur des enfants et des jeunes de Beth Anina à Jérusalem. Le diocèse de Strasbourg en France et celui de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire ont signé en mars 2022 un partenariat qui consiste en un échange d'expériences et de compétences. À cette fin, le diocèse de Strasbourg accueille 3 prêtres ivoiriens, les pères Daniel Etekoulou, Edgar Kouakou et Sylvain Boko, pour une durée de 3 ans. Ainsi, le père Daniel aura pour nouvelle mission d'assurer la charge pastorale de curé dans la paroisse de Lingol-Chem. En plus d'être vicaire sur la même paroisse, le père Edgar fera des études en vue de l'obtention d'un doctorat de Bible à l'Université de Strasbourg. Quant au père Sylvain, il sera vicaire à mi-temps à la paroisse de Anguenot et aumônier au service évangélique aux malades de Walbrook. Le dimanche 16 octobre prochain, l'accueil des 3 prêtres et l'installation du père Daniel Etekoulou comme curé se feront officiellement au cours d'une messe présidée par Mgr Luc Ravel en l'église Sainte-Croix. Tout autre sujet à présent, l'ouverture de la nouvelle année scolaire à l'école Hélène Keller, l'un des instituts des écoles de Terre Sainte, a eu lieu en début de ce mois de septembre. Elle a été particulièrement marquée par l'inauguration du 2e étage de l'établissement, faite par le custode frère Francesco Paton. C'était à Beth Anina, à Jérusalem. Commentaire Mourel Pozzi. La custodie de Terre Sainte ne cesse d'œuvrer en faveur des pierres vivantes de Terre Sainte, en l'occurrence les enfants et les jeunes. Le 1er septembre dernier, au début de la nouvelle année scolaire, le custode frère Francesco Paton a inauguré le 2e étage de l'école Hélène Keller à Beth Anina à Jérusalem, un des instituts des écoles de Terre Sainte. Pour la custodie, l'éducation est très importante. L'éducation est une priorité absolue pour la custodie de Terre Sainte. Pour cela, il faut offrir les meilleurs programmes et les meilleures classes d'enseignement à nos élèves. Also, the best quality in the place in which they are studying. Avec la rentrée scolaire, nous avons inauguré ce nouvel étage pour les classes de l'école primaire, du CP au CM2. Ici, nous pouvons offrir les meilleures conditions d'enseignement. C'est bon pour l'école et pour les enfants, qui méritent un environnement propre, ordonné, beau et élégant. Le pape Jean-Paul II nous a appris qu'il y a un chemin vers la beauté, et la beauté est très importante dans le processus éducatif. Après la cérémonie d'ouverture, frère Paton a visité les différentes classes en compagnie du vicaire custodial et directeur des écoles de Terre Sainte, frère Ibrahim Faltas, et du directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem, Joseph Asbon. Les élèves les ont reçus avec joie et ont exprimé leur gratitude et leur désir de retourner à l'école. Comme frère Faltas l'a expliqué, il y a une grande demande pour s'inscrire à l'école, mais seulement 40 élèves sont acceptés chaque année. Chaque année, une nouvelle classe est ouverte. Cette année, le CM1 a été ouvert. L'année prochaine, le CM2 sera ouvert et ainsi de suite jusqu'à la terminale. L'école s'occupe également des élèves à besoins spécifiques qui ont perdu la vue en leur donnant la lumière de la connaissance pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. L'école a également été équipée de panneaux solaires
grâce à un financement de la mission pontificale de Jérusalem et en mesure de couvrir entièrement ses besoins en électricité, y compris pour la climatisation. Avec ce projet, nous poursuivons deux objectifs. Contribuer à améliorer la qualité de l'environnement en réduisant la dépendance à l'égard des sources d'énergie polluantes et aider ces organisations à réduire leurs coûts de fonctionnement. Le vicaire a expliqué que la custodie de Terre Sainte possède 18 écoles qui sont fréquentées par environ 12 000 élèves et dans lesquelles sont employées 1 200 personnes. Un grand travail, surtout en ces temps difficiles. Mon message aux élèves est qu'ils doivent considérer l'école comme un cadeau. Et ce cadeau est d'une importance fondamentale pour leur avenir. Nous espérons que cette année sera une année paisible, sans coronavirus, sans guerre, sans problème, sans anxiété, sans grève, et sans rien qui empêche l'élève de se rendre à l'école. Une note triste dans cette édition, le pape François a adressé un télégramme de condoléances au nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III, au peuple britannique et à tous les Commonwealth après le décès d'Elisabeth II, survenu paisiblement à 96 ans, jeudi 8 septembre dernier, en Écosse. Les détails avec Maria Bissier. Hommage à une vie de service ininterrompue, profondément attristée, d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Je présente mes sincères condoléances à Votre Majesté, aux membres de la famille royale, au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, a écrit le pape François dans un télégramme paru dans la soirée du jeudi 8 septembre dernier en la solennité de la Nativité de Marie. Le souverain pontife a aussi confié la noble âme de la défunte reine à la bonté miséricordieuse de notre Père Céleste. Née Elisabeth Alexandra Marie le 21 avril 1926 et devenue reine en 1952 après la mort de son père, le roi George, la reine Elisabeth est la monarque qui a régné le plus longtemps au monde, ayant été reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres royaumes du Commonwealth. Symbole de stabilité, ayant traversé imperturbable les époques et les crises, elle avait côtoyé depuis la mort de son père George VI, quand elle n'avait que 25 ans, Nero, Charles de Gaulle ou Mandela, qui l'appelait mon ami. Pendant son règne, elle a assisté à la construction, puis la chute du mur de Berlin, et a rencontré 12 présidents américains. Au cours de ses 70 ans de règne, la reine a non seulement rencontré 15 premiers ministres britanniques, de Winston Churchill à plus récemment Liz Truss, qui s'est rendue au château de Balmoral pour la rencontrer alors qu'elle était déjà en mauvaise santé, mais elle a également rencontré personnellement 4 papes sur les 5 pontificats de son vivant. Son fils aîné Charles, prince de Galles, lui succédera à l'âge de 73 ans. Toujours dans la même veine, la communion anglicane a également salué la mémoire de la reine Elisabeth II, chef de l'Église d'Angleterre. Le représentant de l'archevêque de Canterbury, près le Saint-Siège, a aussi exprimé ses condoléances et a rappelé le rôle de la souveraine dans le dialogue œcuménique. J'étais choqué, mais en même temps, j'ai un grand sentiment d'action de grâce par rapport à sa vie, à son témoignage, comme une enfant de Dieu, comme un disciple du Christ, comme celle qui incarnait les valeurs du christianisme dans sa gouvernance, dans sa vie de famille et dans sa vie personnelle. Il nous faut toujours reconnaître, en rendant grâce à Dieu, le témoignage de celle qui porte honneur au nom de Dieu. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.